Donc rien à l'enflure, là. Même l'enflure, là. Hein? Ils ne vont pas tarder, hein? Mais dans le jardin, on va pouvoir manger dans le jardin ces jours-ci. Je vais regarder s'il y a des patates nouvelles. Papy? Patates. Des patates? Des patates. Là, c'est fait. Ben, tu le fous comme là, le bord, là, tout jusqu'en haut. Tout le reste, c'est fait, tu vois. C'est une binette. Mais celle-là, ben, j'aime bien parce que, tu vois, c'est coupant. Alors, ça, c'est bien coupant. Ça coupe bien. Je trouve que c'est celle-là les plus prêtes. Mais tu vois, dans le fond, là, il faut enlever la branche parce que sinon ça ne coupe pas. Mais il y en a quoi dans le bois, là, tu vois. Oui. Ah, elles sont belles, alors. Elles sont bien élevées. Oui. Parce que les carottes, ce qui est... Et des fois, il est mal. Ça dépend du temps. Il y a le temps qui joue aussi. Hein. C'est trop sec ou trop mouillé. Il y en a trop épais. Puis, il faut les éclaircir. Mais alors justement, quand est-ce que tu vas les éclaircir? Oh là, ben, faut attendre la semaine prochaine. Faut attendre qu'ils soient un peu plus forts. Oui, puis si la pluie tomberait un petit peu, ça fatiguerait moins. Ça va les fatiguer à les éclaircir. Et là, les poireaux, mais ils sont pris, hein. Et ces jours-ci, là, je vais en repiquer parce que j'en ai deux plants, ils sont bons à piquer. Je vais en repiquer. Vous en avez piqué combien des poireaux, là? 68. 68. Alors, il y en a encore, ben, 200 à piquer. Voilà, les deux, trois sillons. Si j'ai du plomb, je vais en mettre partout. Les années qu'on réussit, on a des gros comme ça. L'année dernière, c'était rien de bon. Il y a rien du temps, de je sais pas de quoi. Bon, il y a peut-être qu'il y a des endroits là, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais en fait, les carottes, il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les carottes, quoi. Non, parce qu'on les a... J'ai déjà sarclé comme deux fois, déjà. Voyons. On donne du boulot. Quand tu les sarcles, en fait, c'est avec le même outil? Non, avec un... Juste autour, les... Une toute petite griffe, là. C'est tout petit, comme ça. Puis j'avais ramassé l'herbe, je l'avais mis dans un vieux bidon. Hein. Puis je ne l'avais pas laissé sur le terrain, je l'avais jeté en bas, là. Comme ça, ben, c'est sûr qu'elle ne reprend pas. Parce que comme là, si jamais il viendrait de la flotte, là, l'herbe, là, elle va peut-être bien reprendre, pas toute, mais elle peut reprendre. Hein. La racine, au moment que la racine touche la terre, elle peut reprendre. Hein. Mais là, de ce temps-là, elle devrait crever, hein, comme il fait chaud, là. Ils annoncent une belle semaine? Oui. Mais à part qu'on peut avoir l'orage, pareil. Mais l'orage, c'est pas tout le monde qui va en avoir. Hein. Parce que tu as vu les catastrophes, hein, les inondations. Ça fait mal au cœur. Ouais. Ben oui, il y a les pauvres bonnes gens. Toute la maison toute abîmée. Des citrouilles, des butternuts, puis des autres courgettes là de chez qu'on, par rapport à là qu'ils m'avaient donné. J'avais ramassé de la graine. Non, mais je ne sais plus lesquelles. Je ne sais plus lesquelles que c'est. Oui. C'est des haricots, là, c'est des.
Là, c'est des tomates et là-bas, c'est des endives. Là, des endives. Tu vois les blagues qui lèvent, Ganon? Il y en a ben trop, hein. Tous deux petits bouts de rang, là. T'as semé des endives? C'est la saison pour semer les endives? Ah ben oui. Et là, j'ai semé des carottes. Il y a de l'herbe qui lève là, c'est pas... Mais oui, là, c'est de l'herbe, ça. Pas de... Oui! Elle est debout. Ah, c'est bien. C'est bien, elle est grande. Elle est grande, Luce. Elle est grande, hein. Oh, grande comme ça. Non. Tourne mon moulin. Non. T'es pas décidé, tu tournes le dos. Tu tournes le dos. Hein? Tu tournes le dos. Et ben alors. Mamie. Oui. Maman. Mamie. Coucou. Maman. Bonjour, Daddy. Mamie. Oui, Luce. Est-ce qu'elle a Luce? Des patates. Des patates, oui. Là, des patates. Des patates. T'aimes bien les patates? Luce, elle aime bien les patates. Hein? Des bonnes patates. Luce, elle mange des bonnes patates. Ah.